Salut Léna. Écoute Simon, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Léna, ça va? Tu me fais peur là, Léna. Écoute, oui, c'est vrai que j'étais en couple avec toi, que j'ai couché avec John. Je suis sortie avec John, ok. Oui, mais bon, bah ça, d'accord, oui, bah c'est fait, c'est pas. Et ça, je m'en excuse. Mais c'était pas tout dit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a eu d'autres? Non, 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 c'est pas ça. Mais alors c'est quoi? Dis-moi. C'est que quand je suis partie, j'étais déjà enceinte quand je t'ai quitté. Oui. Soit de toi, soit de John. Oui. Mais je t'ai pas dit que j'avais un nouveau mec. Quoi? Et je lui ai pas dit que j'étais enceinte. Attends, mais quand tu l'as rencontré, t'étais déjà enceinte. Oui, quand je l'ai rencontré, j'étais déjà enceinte. Du coup, je n'en ai pas parlé, je lui ai rien dit. Bon, bah ça, c'est moins grave, mais bon. Et il est où aujourd'hui? Parti. On n'est plus ensemble. Mais pourquoi? Parce qu'on a essayé, j'ai pas réussi à m'attacher. Et on s'est séparés, quoi, c'est tout. Un classique. Un classique, quoi. Exactement. Voilà. Putain, mais tu m'as fait peur! Bon, et Mathis, il est où, lui? Je t'inscris à la crèche. Ah, ouais, t'as bien fait. Et John? John, je sais pas si je dois le prévenir que je suis là, je sais pas s'il veut me voir, je sais pas. Eh ben, essaye, parce que pour l'instant, il est plus avec Lali, donc si tu veux retenter ta chance avec lui, profite, parce que je pense que Lali et lui vont se remettre ensemble. Hein. Tu crois? Ouais, donc, profite, hein. Ouais, t'as raison, mais je voulais te le dire et je voulais aussi te demander pardon. Pardon de quoi? Ce qui est fait est fait. Pardon de quoi? T'avoir trompé avec John et de t'avoir menti. Ok, d'accord. C'est tout? Ça va? Ouais. Alors, vous avez des nouvelles infos concernant Jeanne, Alex et Gas? Non, rien du tout. Et écoute, tu sais, je suis vraiment inquiète parce que Stéphanie m'a dit qu'elle avait trouvé des trucs très intéressants. C'est quoi? Il semblerait qu'il serait à la tête d'un trafic d'organes. Quoi, mais qui ça? Le ravisseur. Mais c'est qui? Quoi, qui? Mais le ravisseur! Bah, c'est le mec qui a enlevé Alex quand il était à Love Island, qui a réussi à s'échapper, tu sais. Ah, oui, lui. Et Stéphanie a retrouvé sa trace, et il est toujours à Love Island, et il profite de la vie comme si de rien n'était. Ah non, c'est pas possible, ça. Eh ben si, parce que je te le dis. Donc, c'est possible. Il profite de la vie comme un chien, comme une merde, t'entends ça? Putain, et les filles de Love Island, ils font rien? Ben non, pour eux, c'est Alex le coupable, hein. Puis Jeanne et Yacine, je suis sûr qu'ils sont en train de se planquer dans Love Island, donc ils ont quitté l'île, tu sais. Ben j'espère pour eux. On en a déjà un en prison, on va pas se les taper tous en prison quand même. Ouais, non, c'est sûr, je suis d'accord avec toi, mais bon, calme-toi et enfin bref, t'as raison, je vais me calmer, là je vais aller travailler, puis si j'ai des nouvelles, je te tiens au courant. Ok, Jason est sur le coup, lui aussi. T'inquiète pas, il va. Il me tient au courant aussi, et puis si moi j'ai des nouvelles, je t'appelle, ou je passe, ok? Ok, pas de problème. Allez, t'inquiète pas, Alex, il va sortir de prison. T'inquiète, hein. Bah ouais, un peu. Ça fait quand même plusieurs semaines, et l'enquête avance pas, ça fait des semaines, ça me saoule. Putain, puis c'est si Julien, si seulement Julien lui avait pas demandé ces informations-là, on n'en serait peut-être pas. Hé, oh. C'est pas la faute de Julien. Non, non, non. Du tout. Tu crois? Oui, c'est de la faute à personne. Écoute, Julien avait besoin d'informations. Alex a réussi à les tirer comme il a pu. Et c'est compréhensible. Julien, il est flic, donc. Ouais, t'as raison. Excuse-moi, je me suis emporté. Eh ben, j'ai vu ça. Bon, fais-moi un bisou, ça va te calmer. Rien de tel pour
pour me calmer que t'embrasser. T'es sûr que tu veux pas qu'on aille dans le lit? Ah non, je vais être en retard. Mais non, on va juste, juste montrer un truc. Non, 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 non. Oh, tu voulais faire l'amour, t'attendras ce soir. Bon, d'accord. Je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Ça va, Max? Ouais, ça va, ça va. Elle est toujours pas rentrée, hein, c'est ça? Non, toujours pas. Ah, mon pauvre. Tu sais, elle aime. Quand elle est énervée, elle part plusieurs jours. Et après, elle revient. Ouais, c'est vrai. J'espère qu'elle va revenir. Mais oui, t'inquiète pas. Mais en même temps, je la comprends. Hein. Moi aussi, hein, parce que moi, quand je suis énervée, je pars et je reviens plus jamais. Hein. Ah oui, j'aimerais bien voir ça, tiens. Ah. Ah ouais, mais moi, je te conseillerais pas de me voir énervée. Hein. Ah, mais tu vas. Ah, mais tu vas souffrir, hein? Carrément. Ouais, je la comprends, tu sais. Moi, à sa place, j'aurais été énervée comme elle l'était. C'est normal qu'elle avait sûrement besoin de prendre l'air. Ouais. Mais oui. Tu sais que t'es un mec bien. Elle a de la chance d'être avec toi, tu sais. Ouais, je sais. Je sais, je suis génial. Je suis formidable. Tu savais pas encore? Alors, je m'en doutais, mais je crois que là, je m'en aperçois que. Je crois que ça se précise. Ah, vraiment? Bah, je crois que ça se précise, ouais. Je suis formidable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben, rien. Y a rien à dire. T'es formidable? C'est tout? Exactement. Mais non, mais je plaisante, mais en vrai. Je crois vraiment qu'elle va rentrer. Mais oui, je la connais, ma fille. Attends. C'est pas son genre de disparaître comme ça plus de 3 jours. T'inquiète pas, elle va rentrer bientôt. Je suis sûr, elle est même en route pour rentrer, là, tu vois. Tu crois? J'en suis sûr. Eh ben, j'espère. Ouais, ben, j'espère aussi, hein. Eh oui. Ah, t'as raison. Tu sais quoi? Quoi? T'es un super gendre, toi. Et toi, t'es un super beau-père. Et ma belle-mère, dommage qu'elle en fait pas autant, elle est là. Sandra, oh pardon, je voulais pas te mettre mal à l'aise, mais je rigolais. C'est juste que je vois plus mon beau-père que ma belle-mère. Hein, et ben en même temps, elle, je crois qu'elle profite de la vie. Ouais, sûr. Bonjour! Alors, j'ai entendu dire par ici qu'il y avait une belle femme qui aurait bien besoin d'un bisou. T'es encore là, toi? Eh ben oui, j'avais un peu de temps, je suis passé te voir. Parce que t'es toute seule. Tu t'ennuies pas trop? Ben non, non, pas du tout. Surtout depuis que t'es là, en fait. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est mignon. Tu sais quoi? Quoi? Eh ben, tu m'as remarqué, en fait. Ah ouais? Ouais. Tu sais quoi? Quoi? Eh ben... Toi aussi, tu m'as manqué, tu sais. Je suis partie ce matin, je t'ai laissé. Mais je reviens parce que... Tu m'as manqué. Oh, mon amour. Je t'aime trop. T'es trop mignon quand tu fais cette tête. Arrête, tu vas me faire craquer. Embrasse-moi au lieu de rester planté là, voyons. D'accord. Ça va? Moi? Tu me demandes à moi si ça va? Ouais, je te demande à toi qu'est-ce qu'il y a. Et moi, ça va toujours. Surtout quand je te vois d'ailleurs. Oh! Arrête, t'écoutes, t'exagères pas un peu. Mais non, non, pas du tout, pas du tout. Je crois que je t'aime bien, en fait. Mais je sais. Mais je crois que moi aussi, en fait. Bon, bah, qu'est-ce que t'attends? Pour me prendre et m'emmener dans la chambre, on pourrait enlever tes vêtements, enlever les miens et faire un petit câlin. Je crois pas. Ah ouais, tu joues à ça, toi. Bah ouais, pourquoi? Eh ben, tu sais quoi? J'attends, rien du tout. On y va?
Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, c'est toi qui m'avais dit tout à l'heure, on se rejoint devant chez Félix, on passe l'après-midi avec lui. Ah oui, c'est vrai. T'avais oublié. Ouais, excuse-moi. Ça va? Ouais. Tu m'embrasses pas? Hein, si, bien sûr. Mouah. Eh, mais c'est sûr que ça va, là, la ville. Mais oui, ça va, bon. On entre chez Félix, on toque, on entre comme ça, on fait comment? T'as raison, on rentre chez Félix. Ça va peut-être te faire du bien parce que t'as l'air pas bien là. Mais si, t'inquiète pas, je suis très très bien. Je te jure, je suis très bien. D'accord? T'es sûr de toi? Je te promets. Ok, bon, bah si tu me dis alors. Bon, on rentre. Ouais. Félix? Félix, t'es là? Ah, oui, dans le salon, dans le salon. Bah, vous revoilà, vous. Eh ben oui, on t'avait dit qu'on passait après avec toi, donc on est là. Ça va? Super, super et toi? Ouais, moi ça va super. Super. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je rigole, mais oui, ça va, ça va. Ça va, Virgile? Virgile? Virgile, hein? Félix t'a parlé, hein? Excuse-moi Félix, j'étais dans mes pensées, pardon, rien, pardon. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, jus d'orange, café, coca, lait, chocolat, ce que tu veux, ce que tu veux. Et toi, Virgile? Hein? Quoi? Tu veux boire quoi? Je sais pas ce que tu veux, ce que t'as. Ok, j'ai compris, j'emmène tout là. Ouais, je reviens, je vais aider. Ça va? Ouais, mais c'est ton mec qui va pas là. Ouais, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas, écoute, il est comme ça depuis, bah, depuis que je l'ai retrouvé là devant chez toi. Ah, parce que vous êtes rejoint devant chez moi. Ouais, on s'était dit ça tout à l'heure. Ok, je sais pas, il... Mais là, peut-être eu des problèmes entre-temps, ou je sais pas, il a fait une sieste, et puis, il est pas très bien réveillé. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Salut Julien! Sandro! Ça va? Ça va et toi? Ouais! Travaille sur quoi là? Écoute, je suis toujours en train d'enquêter sur l'affaire d'Alex. D'accord. Et toi, ça va? T'as bien graille? T'as bien mangé? Ouais, j'ai pris un burger au McDo, c'était trop bon. Et toi, t'as mangé quoi? J'ai pas mangé, je travaille. Ouais, mais t'es fou, si j'aurais su, je t'aurais proposé. C'est gentil, mais je travaille, j'ai pas faim. Tu sais, je mange pas beaucoup midi. Si je mange pas, c'est pas très grave, d'accord? Ah, je savais pas. Bon bah maintenant tu le sauras. Hein. Ok. Alors ça donne quoi? Eh ben ça donne ça. Qui est ça? Parce que ça, c'est ça. En fait. Ok, d'accord. Non, je te fais marcher. En fait, ben voilà. Je cherche encore des trucs sur l'affaire Alex et tout et tout et. Ben, ça me saoule en fait. Je comprends. Mais j'ai pas le choix si je veux faire sortir mon pote de prison. Je comprends aussi, ouais. T'inquiète pas, on va être aidés, nous. On est avec toi, tu sais. Tu crois? Mais oui, on est avec toi, hein. Puis on va t'aider, regarde. Marie, Nicolas, Stéphanie est sur le coup aussi. Moi, toi. Ça devrait le faire quand même, Jason. Oh, ouais, t'as raison, ça devrait le faire. Merci. Ça va, mon amour? Ça va et toi? Oui. Bah, tu t'es changé, hein? Eh oui, bah quoi, je te plais pas? Si, si, t'es très belle. C'est vrai. Oh, mon amour, je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime, tu sais. Tu sais, je voulais te dire, c'est bon. Pourquoi? Pour le travail de job dont je t'avais parlé, ben, c'est bon. De quoi c'est bon? Tu fais pas de conneries. Mais je t'ai déjà dit que c'était pas une connerie, écoute. Ouais, je sais, je te fais confiance, mais...
Est-ce que tu connais les réelles intentions de ce type? Est-ce que tu sais vraiment ce qu'il veut? Bon bah d'accord, t'as raison, non, je sais pas. Ben voilà, donc tu peux pas. Et toi, tu peux pas le juger parce que tu le connais pas. Tu le connais bien, toi. Hein? Tu sais ce qu'il peut faire ou pas? Ben écoute, il me donne du boulot, c'est pas mal. Tu sais? Je sais, mais écoute. Eh ben c'est comme ça, c'est tout. Je m'inquiète parce que bah, j'ai pas envie que ce type, il ait mauvaise influence sur toi. Souviens-toi de nos problèmes de drogue, nos problèmes de fric, et souviens-toi de ce qui est arrivé à Laura. Elle a eu plein de problèmes quand elle était à Paris. Ouais, ben ça j'ai remarqué. Alors, s'il te plaît, on fait quoi maintenant? Bon ben d'accord, ok. Tu veux que j'arrête, c'est ça que tu veux? Je veux pas que t'arrêtes. Je veux que tu te méfies et que tu fasses attention. T'inquiète pas. Je te le promets. Que je fais très attention. Et si je fais ça, c'est pour qu'on gagne ma vie. Ouais. Et moi, si j'ai arrêté la cam girl, c'est parce que c'est un mec de pute et que je suis pas une pute. Pourtant, t'es très belle. Ah mais merci, mais ça n'a rien à voir, quoi, s'il te plaît. Ouais, t'as raison. Ça a peut-être rien à voir. Non, j'ai pas raison. Ça a vraiment rien à voir. D'accord? T'inquiète pas, tout va bien. T'as raison, tout va bien. Bon, je vais continuer de chercher, je vais bien finir par trouver des informations quand même. Par quoi je commence, hein? Par chercher des informations sur Love Island, journal peut-être. La presse de Lille, je sais pas. Eh, pas mal, pas mal, pas mal. Ah ouais, c'est quoi? Eh, pas mal, je vais pouvoir envoyer. Ah ouais. Un individu se serait introduit il y a quelques mois dans le bureau d'un flic et a piraté des données privées à partir d'un ordinateur privé. Cet individu est actuellement muté en prison à Paris. Voilà. Ah ouais. En attendant, on cherche toujours les deux autres, toujours en cavale. Les deux autres complices, toujours en cavale. Ah, oh, c'est vrai. Yacine et Jeanne aussi. Eh ben, je vais envoyer l'article à Julien, il va être content. Eh ben, il est pas mal, le petit Rudy, finalement. Bonjour, voici Julien. Je pense que ça peut le faire. Ouais, ça peut vraiment le faire. Je te demande pardon, Simon. Pourquoi? Bah pour tout, j'ai merdé. Tu crois pas? Bon bah c'est vrai, t'as fait des petites bêtises. Des petites bêtises? Je t'ai trempé avec le mec. Attends. Des petites bêtises, je crois pas. Je t'ai trempé avec le père de ta cousine. D'accord? Avec le mec de la ligue, d'accord? Et en fait, bah, je suis une grosse merde. Hey, arrête, dis pas ça, d'accord? C'est pas vrai. T'es qui toi pour te juger? T'es personne. Donc écoute-moi bien. T'as fait ce que t'as fait, c'est vrai. Mais bon, écoute, si t'avais envie, si je te suffisais plus, fallait me le dire. On se serait peut-être pas mis dans des situations de merdique comme ça, putain, situation de merde. Ça va, c'est un gamin. Je vais retrouver le père. Du coup, tu fais ça de paternité, toi. Évidemment. Je le fais quand tu veux. Quand tu veux, d'accord? T'es sûr? Ben oui, pourquoi? Non, 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 comme ça, écoute. Quand tu veux, je fais ça, d'accord? Et si tu veux pas que je le fasse, je le ferai pas. Et John aussi, ce serait bien qu'il le fasse. Attends. Je préfère que tu le fasses avant. Et John. On le prévient après. Tu veux faire comme ça? Ouais, c'est mieux. Comme tu veux, c'est toi qui vois. Mais écoute, te fous pas encore dans la merde. Je te préviens. Parce que là, c'est une chance ennemie que je te laisse. C'est une chance énorme là que je te laisse. Mais oui, bah je sais, c'est bon, je sais. Donc bousille pas cette chance. C'est d'accord? S'il te plaît. Nico! Nico! Jimmy, qu'est-ce qu'il y a? Je suis passé devant la maison. Quoi?
Ils sont tous pris en otage. Quoi? Je sens qu'il va y avoir un drame dans pas longtemps. Attends, mais attends, c'est pas vrai. Tu rigoles? Non mais attends, mais tu crois vraiment que je rigolerais avec ça? Mais t'es sûr? Mais oui, écoute, ils sont tous là, assis dans le salon. Lali, Béné, Hélène, Peter, José, tout le monde, quoi. Et puis, il y avait un type, enfin, il y a un type qui pointe son arme. Mais c'est qui ce type? Tu as vu? Mais non, il est masqué, écoute. J'ai pas vu, il est masqué, il est fliqué. J'ai pas pu voir. J'ai vu son arme, je l'ai vu le type, mais il était masqué. Ok. Eh ben, j'appelle Marie. Attends, mais t'es sûr? Ben oui, ben quoi, tu veux les laisser crever? Non, t'as raison, m'appelle. Enfin, j'espère qu'elle va répondre. Putain! Merde, quoi, merde! Ouais, c'est clair. Merde. Putain, réponds, réponds! Elle répond pas. Essaye Sandro ou Julien. Merde! Qui? Sandro répond pas. Eh ben alors essayez Julien. Eh ben ouais, j'ai pas le choix. Voilà, je vous ai laissé assez de temps pour réfléchir, non? Et pour me dire où est le trésor. Vous avez pas su saisir cette chance-là. Vous allez tous crever, un par un. Et je crois même que je vais commencer par toi. Non, non, j'ai rien fait moi, s'il vous plaît. D'accord, d'accord, d'accord. T'as encore envie de profiter. Je te laisse une chance. Mais c'est ta dernière. Donc profites-en pour parler. Allez, je vous laisse une petite heure. D'accord? Et après, eh ben vous allez tous crever. D'accord? Toi, je vais te tirer dessus. Tu vas crever. Toi, pareil. Vous êtes un grand malade. Espèce de fils de pute que vous êtes, va. C'est quoi? T'es un fils de pute. Attends, t'as dit quoi toi? Ose encore insulter une fois ma daronne. Et je te jure que je te tue. Ça fait mal, hein. Ça fait insulter ou qu'on insulte un de ses proches. Alors arrête de nous insulter. Dégage de chez nous. Et on vous promet qu'on préviendra pas la police. Mais bien sûr, ouais. Bien sûr. La police, ce sont nos amis, les flics. Les flics. Mais ordure, ordure. Je vous ai déjà expliqué. Il y a un trésor qui se cache par ici. Et on le veut. D'accord? Ok, je comprends. Tu veux le trésor. Peut-être. Mais nous, on te dit qu'il n'y en a pas de trésor. Alors fais pas chier, casse-toi. Non. Je vais arrêter de te faire chier. Tu veux pas m'embrasser? C'est par où la chambre? Pardon. Mais tu la touches pas là. Hein. Allez, viens. Viens, on va baiser. J'ai très envie, toi, de te faire l'amour, de te toucher. Et je vais te donner beaucoup de plaisir. Ah ouais? Même pas en rêve. Pff, connard! Ok, ok, ça va, c'est bon. Une heure. Pas plus. Sinon, je vous... Mais quelle ordure. Putain, mais quelle ordure. Ça, je te le fais pas dire. Ben, écoute, j'espère qu'on va trouver. Et que votre pote, là, le Alex, il va pouvoir sortir de prison. Eh ben, ouais, écoute, on espère aussi, tu sais. Ouais. Hello tout le monde. Ah, salut Marie. Comment ça va? Ça va et vous, hein? Ouais, donc ça va, toujours en train d'enquêter sur Alex, hein, comme tu vois. Eh ben, écoute, ouais. Comment va Nicolas? Il va très bien, d'ailleurs, il vous embrasse. Eh ben, tu l'as embrassé pour nous, j'espère. Eh ben, écoute, oui. Oui, oui. Je l'ai embrassé pour nous, pour vous, et... Puis, ben, il était très content de recevoir des bisous partout. Ah, MDR. Ça va, Steph? Salut, ça va, et toi? Ça va, ouais. Ça va, super. Cool. Alors, comme ça... Ben, tu bosses, ça y est. Eh ben, écoute, oui. T'as pas remarqué que ça fait une semaine que je suis là tout le temps? Oui, tu t'es tapé un mois de vacances. Ah non, j'étais en mission ailleurs. Oui, bon, d'accord, d'accord, ok. Ah, oh, ça va, c'est bon, je te taquine, t'es pas cette tête, je sais bien. Oh là là...
Mais contente que tu t'es enfin décidé à bosser. Alors, la salope, elle insinue que je travaille pas moi. Mais et toi, tu travailles, connasse? Pardon. Pardon, je rigole. Hein. Mais oui, je sais. Bon. J'adore rigoler, hein. J'adore l'ambiance qu'il y a ici. Mais foutez-vous au boulot. Allez, oh, allez, on bouge. Allez, au boulot, on bouge. Merci. C'est sympa. Ça, c'est quoi ça? Oh zut! J'ai eu un appel de Nicolas. Quoi? Ton mec. Ah. Bah. Oh, merde, il m'a appelé aussi, mais je conduisais. Quoi? Ça se trouve, il a essayé de m'appeler. Oh merde, mon portable était en silencieux. Ah, nous le rappelle? Ouais, je le rappelle. Ok. Toujours pas rentré, hein. Et non. Bon, bah, tu vas faire quoi, toi, là, cet après-midi? Eh ben, je vais continuer à chercher du travail et puis lancer un avis de recherche concernant l'IA. Arrête, c'est trop tôt, les flics, tu vas chez... Vas-y, t'as raison, va chez les flics, tu leur dis... Eh ben, ma meuf a disparu, je sais pas où elle est, voilà. Et ils vont te prendre pour un débile mental. Ben non, pas si je préviens Julien, il sera très inquiet. Oui, bon, bah, peut-être Julien, mais les autres, écoute, franchement, Max, tu peux très bien prévenir les flics, mais moi, je connais IM, je suis sûr qu'elle va revenir. Ouais, dans combien de temps? Quand elle sera calmée, la suite du temps, écoute, ça, Lana, ça te réussit pas, toi, les premières disputes de couple, hein? Non, c'est sûr, ça me réussit pas, ouais. En plus, ça fait presque un an qu'on est ensemble. Ah non, mais je sais. Je sais. Et donc, première dispute. Eh ben oui, voilà. Première dispute. Eh oui. Ça te fait chier, hein. Non, non, non. Mais si, dis-le, ça te fait chier. Tu l'aimes? Non. Si, tu l'aimes. Tu l'aimes bien quand même. Bon, ben oui, je l'aime bien. Je suis amoureux, je l'aime. Voilà. Ah, ça te fait chier de dire que tu l'aimes. Non, non, non. Non, pas du tout, non, du tout. Mais oui, bien sûr. Allez, arrête ton blabla et puis dis-moi plutôt pourquoi ça te fait chier, hein? Mais non, ça me fait pas chier. C'est ça, ouais. Prends-moi pour un con. Je te prends pas pour un con, Mehdi. Ok. Mais bon, bah d'accord, écoute, j'aime pas parler de mes sentiments comme ça, voilà. Eh bah, ben, tu viens de le faire, c'est bien. Et je suis content que tu aies trouvé le bonheur avec ma fille. Maintenant, plus que la réconciliation, première dispute de couple. Oui, enfin, tu t'es aussi engueulé avec elle, hein. Je crois que c'est toi qui l'as saoulée, en fait. On l'a saoulée tous les deux. Ouais, je crois aussi, ouais. Oh! Oh! Est-ce qu'on va pouvoir bouger d'ici, merde? Vous allez nous libérer, sale chien! Je voudrais pouvoir me laver, prendre une douche, me changer d'habit parce que je pue! C'est possible ou pas? Bon, Lali, calme-toi, s'il te plaît. D'accord? Calme-toi. Mais attends, mais Hélène, comment veux-tu que je me calme? Devant ça, cette ordure. Elle a raison, ça sert à rien. Oui, je suis d'accord, ça sert à rien. Ouais. Coup de béné, non, tais-toi, c'est pas le moment, d'accord? Ok. T'as raison. C'est pas le moment. Mais tu vas fermer ta gueule, toi, ouais! Et arrêtez de crier, putain! Mais non, je veux m'habiller, je veux me laver, je veux me changer, je pue, je colle. Je suis sale, vous comprenez ça? Le mot sale? Non, vous pouvez pas comprendre, hein, vous êtes trop un crado pour pouvoir comprendre. Insultez-moi encore une fois, le crado était morte, cette pute. Crève, d'accord? Moi, je suis morte, c'est moi la pute. Moi, je suis une pute. Mais ton vêtement, oui, t'es une pute. Eh ben, dis donc, regarde, elle est jolie avec sa combinaison à fleurs, on dirait une vieille peau. Pardon, je t'en fais petit insulter ma femme, toi. Liège, de toute façon, on peut rien faire. Bon. Écoutez, monsieur, moi, je vous connais pas. Mais c'est vrai, ça, qu'on se connaît pas.
Alors pourquoi tu me parles? Bon, je vous propose un marché. Ah ouais? Lequel? Écoutez, vous nous expliquez tout de A à Z sur ce que vous savez, sur ce fameux trésor dont nous, on ignore l'existence. C'est ça. Laissez-moi finir. Vous nous expliquez tout de A à Z et on vous promet qu'on vous aide à chercher. Et si on trouve, vous nous relâchez. Et puis, bah, si on trouve pas, bah, vous nous gardez en otage, ok? Ça me convient. Je vais réfléchir à toutes. Mais elle était complètement folle, mais pourquoi t'as fait ça? Eh, oh, fallait bien gagner du temps. Mais dis-moi, quoi? T'as pas envie d'un petit câlin, toi? T'as pas envie de faire un petit bébé? Toi, t'as envie de moi. J'ai envie de te dévorer. Tu m'aimes, hein? Ouais, je t'aime. Et alors? Vas-y, dévore. Là, par terre. Bah, écoute, ouais. Pourquoi pas? Si tu veux, y a la table, si tu veux. Alors? Non. D'accord. Et c'est mieux dans le lit. D'accord? Alors, qu'est-ce que t'attends? Je sais pas, t'es sûr de toi? Bon, écoute, toi, tu viens ou tu viens pas, mais tu bouges, fais quelque chose, je vais pas attendre 15 ans, je te le dis. Oh là là, mais c'est quel ronchon, oh là là, j'adore. Oui, bah dépêche, je vais pas attendre 30, bouge, d'accord? Oh là 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 là. Bon, bah d'accord, on y va. J'aime bien te faire rigoler. Ouais, bah ça va pas marcher à chaque fois. Parce qu'à force, je vais te quitter, voilà. Ouh là là, j'ai peur. Mais je t'embête, je rigole. Oh. C'est très bien que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors, tout va bien? Tout va bien. Et voilà, room service. Merci, Félix. Merci, merci. Ton mec, il y a rien. Eh ben, je sais pas ce qu'il a, je sais pas. Ça va, Virgile? T'es sûr que ça va? Parce que, vu ta tête, ben, on se demande. Mais oui, ça va. Sûr? Ouais, je suis juste un petit peu fatigué, j'ai pas très bien dormi. Enfin, attends, Félix. Virgile? Il est 3h de l'après-midi, là. Oui, bah, ce que je veux dire, c'est que je me suis endormi chez moi, à midi, et c'est tout. Oh, voilà. D'accord, parce que t'es repassé chez toi. Ouais. Ok. T'as rien à me prendre pour une conne? Pardon. Prends-moi pas pour une idiote, il y a quelque chose qui va pas, je le vois. Mais si ça va, ça va. Je te jure, je suis fatigué, c'est tout. Bon, bah, d'accord, ok. Mais si t'as des problèmes, tu me le dis et tu me prends pas pour une pute, c'est clair. Il vaut mieux que ça, merde. Je suis pas une bouffonne, ok? Putain, mais elle se rebelle, elle, hein? T'as vu ça? Ouais. Laisse-le, écoute, il est fatigué, bourre-le pas de questions, le pauvre. Ouais, t'as raison. Excuse-moi, mon amour. Mais je m'inquiète pour toi, c'est tout. Je m'inquiète pour toi parce que je t'aime et tu sais. Quand j'aime quelqu'un, c'est pour la vie. J'ai remarqué. Ouais, j'ai remarqué. Bon, alors, je vous dérange? C'est bon, il a retrouvé la vie réelle. Eh ben oui, écoute, faut bien retrouver la vie réelle un jour ou l'autre. Merde, merde. Il est original. Ouais, yes. Bon, je vous sers. Ok, Nicolas. Oui, eh ben écoute, on arrive. Merci de nous avoir prévenus. Oui, j'embrasse ta femme. Est-ce que tu peux nous rejoindre juste devant, vers la maison de campagne, vers la maison? Ok, parfait. Merci, Nicolas. Qu'est-ce qui se passe à la maison de campagne? Eh ben, ils sont tous pris en otage par un mec
qui prend une arme. Ah, merde. Ouais, comme tu dis. Merde. Bon, bah écoute, on y va, hein, je vais chercher mon pistolet. Attends, oh. Oui, ok, on y va. Il faut s'organiser. Il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on s'organise. Il faut. Il y a plein de trucs à faire, en fait. Ah oui, s'organiser, mais comment? Je sais pas, on va trouver. Il faut s'organiser, il faut se réunir, il faut mettre en place une stratégie pour le surprendre. Parce que t'imagines, il voit des filles qui se barrent, il voit ce qu'il y a. Ouais, pour le coup, elle a pas vraiment tort. Il voit des filles qui peuvent se casser, hein, tu sais. Oui, je sais, merci, je suis au courant. Ok. Bon. Bon, on fait quoi? Eh ben, allez chercher vos pistolets, préparez-vous, on va y aller, puis on va réfléchir ensemble, d'accord? T'es sûr? Mais oui, t'inquiète, oh, j'ai l'habitude, tu sais. Ouais, ben, quand même. Mais comment ça, quand même, j'ai l'habitude, je suis. D'accord? Eh ben, dans ce cas-là, je ne dis plus rien. Vaut mieux. Allez, allez, préparez vos. Bah, ce que vous avez besoin, et puis on se rejoint, ok? Ça marche. Bon, bah, moi, juste là, je tiens mon pistolet dans ma poche. Ah, qu'est-ce qu'il ferait pas, lui, pour rester avec son pote Julien? C'est comme mon mec. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour être avec son pote José? José? Il est mignon? Très, allez, viens. Ok, oh. Tu veux pas parler encore de José? Il est mignon ou pas? Oui, mais il est pris. Je pense pas que c'est à toi qu'elle a parlé. C'est pas grave, j'espère qu'elle m'a entendu. Elle saute sur tout ce qui bouge, c'est une vraie salope, c'est pas possible. Non, arrête, elle est jolie quand même, elle est très belle. C'est vrai, c'est normal, elle peut se permettre de faire du charme, elle est quand même très jolie. C'est vrai, c'est vrai. Putain, mais merde, quoi, fais chier. On reprend du service, on dirait. Ouais, bah il y avait longtemps, tiens. Ha. Ouais, comme tu dis. Bon, t'es prêt? Ok, parfait, je prends mon pistolet, mon ordinateur, on en aura sûrement peut-être besoin, j'en sais rien. Ben, je prends tout ce que je vais apprendre et puis on y va. Ok? Ça marche, on y va. Alors, bon, il faut qu'on le rejoigne vers la maison. Ok, mais, et s'il nous voit? Eh ben, écoute, on va faire en sorte qu'il nous voit pas, écoute. T'es assez intelligent pour te cacher, pour pas faire de bruit, non? Et si on doit parler, eh ben on parlera tout bas. Bon, on y va? Julien va pas tarder, hein, tu sais qu'il est à 10 minutes, hein, il est pas très loin. Je sais, je sais, je sais. Ouais, tu sais, et tu fais rien. Pardon? Qui c'est qui est venu te prévenir? Toi? Qui s'est pris en otage? Hein? C'est moi. Donc, si t'es pas content, bah tu te démerdes. Bon, ok, d'accord, j'avoue. Oh. Mais je rigole avec toi, c'est bon, fais pas cette tête. Allez, viens. Viens, je te dis. On y va? Ouais, on y va. On a intérêt à mettre le turbo parce que. Ils vont pas tarder, Julien, Sandro et toute la clique de flics. Mais tu rigoles, on est juste en face. Oui, bah allez, on y va. Ok. Alors voilà, tu sais tout, maintenant je t'ai tout dit. Je t'ai peut-être menti sur des trucs, mais c'était pour me protéger. Et puis, ben, tu sais aussi. Ok, mais attends, du coup, le mec avec qui t'es sorti après être parti, il a su que t'étais enceinte, il m'a vu grossir, il m'a dit arrête de manger, tu vas le finir comme une vache. Il m'a dit ça pour rigoler et je grossissais vu que j'étais enceinte et. Il est tombé sur des échographies et il me les a balancées à la gueule et bah il m'en a voulu de pas lui avoir dit et du coup bah c'est ça qui fait qu'on s'est séparés. Il t'a frappé? Non, 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 il m'avait juste poussé quand j'étais enceinte, j'avais eu très mal au ventre d'ailleurs, j'avais ma cisse dans mon ventre et. Mais c'est quel enfoiré ce mec même quand on fait ça on pousse pas. Bon bah d'accord, moi aussi je t'ai poussé, c'est vrai. Et moi je suis désolé. Moi je t'ai pas fait mal. Non, bah non. Puis moi il y avait le canapé. Ouais. Lui il m'a poussé par terre. Ah,
Donc c'est une merde. C'est une sacrée merde en carton, oui. Eh ben oui, j'ai remarqué, écoute, j'ai remarqué moi, hein. T'inquiète pas, j'ai le pif pour ça. Ouais, je remarque ça aussi. Bon, sinon, content? De quoi? Bah, je sais pas, t'es là, en face de moi, on parle de tout puis de rien. Et tu sais pas de quoi tu peux être content. Bah, non. T'es pas content de me revoir? Est-ce que je suis toujours aussi belle qu'avant? T'es encore plus belle, Léna. Tu as toujours été. Ça te va bien, cette robe. Ça te rajoute un peu de sexy, ça va. C'est vrai. Ouais. Faut que tu continues à t'habiller comme ça. Parce que t'es peut-être maman, mais t'es avant tout une femme. C'est gentil de penser à moi, c'est bon. C'est gentil. Et ouais, bah c'est vrai, j'ai pu être distant, c'est vrai. Mais je suis désolé, voilà. C'est peut-être une période aussi où j'avais besoin d'air, tu comprends? Oui, mais sauf que bon, toi, tu m'as pas trompé. Oui, bon, ça suffit, ok? D'accord, ça suffit. Merci. Ok. Bah, même. Ah, j'entends du bruit. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'en sais rien. Ça doit être une voiture qui passe, ou du vent, ou un oiseau qui chante, j'en sais rien. La nature, quoi, monsieur? Vous êtes débile ou quoi? C'est ça. Fous-toi de ma gueule. Mais je me fous pas de ta gueule. T'es complètement con. Eh ben oui. Ça, c'est une maison. Tu vois. Il y a des voitures qui passent. D'accord? Ok. Et sur la route, il y a des voitures. Là, derrière, il y a des arbres, ça peut être du vent. C'est le printemps, les oiseaux chantent. C'est normal. Tu te fous vraiment de ma gueule, toi, en fait. Non. Ben quoi, c'est vrai, elle a raison. Oui. Ah non. C'est quoi, en fait, j'aime bien. Je vais pas te tuer tout de suite. Je vais profiter un peu de toi. Mais du coup, vous voulez toujours rien me dire sur le trésor. Et la proposition que je t'ai faite tout à l'heure. Ça tient pas, c'est de la merde ta proposition. D'ailleurs, c'est toi qui vas crever la première. Non, non, allez, je vais tirer. 1, 2, 3. Ok, Jimmy, il faut que tu m'expliques exactement tout ce que t'as vu de A à Z. Eh ben, pareil que toi, pareil que ce que t'es en train de voir là, en fait. Ouais. Eh mais comment t'as su? Eh ben, il a débarqué chez moi et il m'a tout raconté. Et comment lui, il a su? Je suis passé devant la maison pour aller chez Nicolas, ici, et je l'ai vu. Il avait une arme. Et bah, je l'ai vu pareil que là. Pareil qu'il est là maintenant. Ok. Mais là, faut interagir, tu crois pas, non? Alors oui, mais comment? Eh bah, écoute, je me lance, j'y vais. Et je le maîtrise et vous débarquez après. Ah non, Nicolas, prends pas de risque. Oh, ça va, écoute, tu te souviens ce que j'ai fait pour Félix ou pas? Oui, c'est vrai, t'as été formidable, mais il était moins dangereux, le mec, pour Félix, il avait eu ça à la main, oui. Là, c'est pas pareil, il y a Lali dans la maison. Lali, je te jure qu'elle est pas du genre à lâcher le morceau, elle est très provocatrice, tu sais. C'est vrai, hein? Mais il est beau gosse, le cheveu jaune, là. Lequel? Celui qui est assis vers la télé. Adrien? Il te plaît? Mais tu crois que c'est le moment là? Oh! Non, t'as raison, c'est pas le moment. Ah, toujours aussi dragueuse. Ouais. Bon, Nicolas, t'es sûr de ce que tu veux faire? Mais tu veux faire comment? Tu peux pas faire autrement aussi? Oui, remarque, c'est vrai. Ben voilà, alors. Tu veux faire comment? Hein? On procède comment? Eh ben, on procède pas, écoute. Bon, t'es sûr que. Et tu passes par où? Par la fenêtre. T'es sûr? Oui, t'inquiète pas. Ok, prends ça au cas où. Merci Julien. Alors comme ça, on pensait qu'on allait m'avoir, hein. Si vous avez prévenu les flics. Attends, t'es tout le temps là, on n'a pas de téléphone, on est plus en otage. Comment tu veux qu'on prévienne les flics, s'il te plaît? T'es vraiment débile. C'est pas possible. Moi je suis débile. Moi je suis débile. Ta mère, elle est débile, ouais. C'était quoi ça? Tu bouges pas toi! Nicolas! Police! Que personne ne bouge! Bonjour, ça va tout le monde? Salut! C'est très joli, tu sais.
C'est pas le moment pour moi. Ça va? Allez. En prison. Oh merde. Nicolas, ça va? Nicolas, tu sais que ça va? Ça va ou pas? Mais oui, ça va. Ça va, Nico? Adrien, c'est toi? Oui, c'est moi. Ça va? Ouais. Enfin, je crois. Eh ben, en tout cas, merci. Hein. Je sais pas comment on aurait fait sans vous. Hein. Ouais, eh ben, c'est parce qu'on tient à vous, vous savez. Ouais, eh ben, en tout cas, vous nous l'avez prouvé. Merci. Hein. Oui. Eh, ça va, Julien? Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait un petit moment. Et moi aussi, Nali. Il est pas là, John? Ah non, John, non, c'est pas lui. Ah, merde. Pourquoi? Pour l'histoire débile, j'ai envie de dire. Te mêle pas de ça, Béni, s'il te plaît. D'accord. Hélène, ça va? Oui, mais j'ai eu peur. Eh, tout va bien, madame. On est intervenu à temps, vous inquiétez pas plus maintenant. Il est en prison. Ben, merci, mademoiselle. Alors, rectifions. Hélène, tu vas commencer par l'appeler Stéphanie et tu vas la tutoyer. Et toi, Steph, tu vas l'appeler Hélène et tu vas aussi la tutoyer, d'accord? Bon, bah, d'accord. Il est mignon, lui. C'est qui? Moi? Ben oui, pas le voisin. Oui, toi, tu t'appelles comment? Adrien. Et toi? Moi, c'est Stéphanie. C'est très mignon. Ben attends, mais je rêve, elle lui fait du rentre dedans. Ben elle a raison, elle est mignonne, la Stéphanie. Oh, toi, ça va, hein, n'en rajoute pas. Hein. Après ce que t'as fait, tu peux que te taire. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Bon, ben, voilà. En fait, Sandro. Oui, José. Je sais que t'adores les bateaux. Ça te dirait de venir faire un tour avec moi sur mon bateau? Là, maintenant? Bah ouais, pourquoi pas? Bah, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de boulot? Non, vas-y, t'inquiète pas, on va se débrouiller. À trois, c'est bon, t'inquiète. Enfin, sauf si Stéphanie reste ici pour faire connaissance avec Adrien, bien sûr. Ah non, non, c'est bon, je vous suis. Ah, vous avez été génial. Merci. Moi. Non, c'est normal, vous inquiétez pas. Mais oui, c'est normal, on tient à vous. Ça va, toi? Mais oui, ça va. La balle. Mais t'inquiète pas, elle est ressortie. J'ai juste une trace là, de sang, c'est rien. Je vais peut-être avoir un petit bleu, c'est rien, t'inquiète pas. Bon, bah, j'espère. Parfait. Alors, je vais envoyer ces documents à Julien. Tac, ok, transféré. Ça aussi, c'est fait. Ben, parfait. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est parfait. Bon. Alors, le mail de Julien. Que je peux prendre les photos, lui envoyer par SMS. Non, je vais lui envoyer l'article par mail. Il a mon mail. Je sais pas. Bon, ben, je vais lui envoyer un petit mail. Alors, salut Julien. Je t'envoie des informations provenant de Love Island. Comme quoi, avec l'arrestation d'Alex, j'espère que tu vas pouvoir faire quelque chose. Rudy. Point. Parfait. Envoyé. Parfait. Et ben, en tout cas, je regrette pas de t'avoir forcé. Hein. Et moi, je regrette pas d'avoir accepté. Tu m'as donné beaucoup de plaisir. Toi aussi. Tu m'as fait beaucoup de bien. C'est vrai. Ouais. Eh ben, je suis fier de le savoir. Ça fait du bien. Ah ben, tu sais, oui. Ken, ça fait toujours du bien, oui, c'est sûr. Oui, c'est logique. Logique. Pardon. Bon, sinon, ça va? Moi, ça va super. Surtout quand je suis avec toi et que tu me baisses comme tu viens de le faire. Et Talco, il est pas là? Il a rien entendu, t'inquiète pas. J'espère, le pauvre. Il doit se boucher les oreilles. Hein. Ouais. Bon, et ben c'est avec tout ça, on n'a pas un bébé. Je sais plus quoi faire. Moi non plus. Puis si on n'a pas de bébé tout de suite, c'est pas grave. On va continuer. Ouais. T'es sûr que ça va, ta blessure? Mais oui, t'inquiète pas, je suis solide. Oui, bah, fais voir.
Tiens, tu vas voir, voilà. Ouh, ça va là. Un petit peu, c'est vrai. Ouais. C'est sûr que tu veux pas aller voir un médecin. Il ferait du bien au moins, qui te masque, qui te donne quelque chose. T'inquiète pas, Julien m'a désinfecté avec la trousse de secours. Ouais, en tout cas, bravo, t'as été héroïque. Encore une fois, mon amour. Merci, mon amour. Ah, tu te rends compte deux fois en quelques semaines que tu sauves des vies. T'imagines si tu serais pas arrivé à temps. Ouais, enfin, m'a quand même tiré dessus, hein, j'ai reçu la balle dans le ventre. Oui, bah, heureusement, elle a... Ça va? Ça va? Ça va, t'inquiète pas, j'ai juste un peu mal, ça me lance un peu, c'est rien. Je comprends. Heureusement que la balle, elle est sortie après, hein. Ouais. En tout cas, ça fait... Ouh, ça fait, c'est moche. Ouais, c'est très moche. Bon. Bah, bravo, mon amour. T'es un champion. C'est vrai. Eh bah, ben, oui. C'est vrai. T'es un champion. T'as sauvé des vies. Que m'en dis de plus? Tu sais quoi? Non, quoi? T'es génial. Ah oui, ouais, c'est vrai ça. Bah, si je te le dis. Non, mais sans doute, c'est sûrement vrai si tu le dis. Tu sais quoi? Quoi? Ben, moi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, tu sais. Ah là là. Bon. Bah, bravo, mon amour, en tout cas. Merci mon amour. Attention, fais-toi pas mal. T'inquiète pas, je suis solide. Ouais, justement. Il est génial ton bateau, José. C'est vrai, ça te plaît? Ouais, il est trop beau. Bah, content que ça te plaise, hein. En plus, toi, t'aimes bien les bateaux. Ouais, c'est vrai. Hein? Ça fait longtemps que tu l'as? Bah, quelques temps, j'avais acheté pour faire une surprise à Béni. Hein? Mais ça a pas l'air d'être tout beau, tout rose en ce moment entre vous. Bah, non. Elle a appris que je t'ai trompé l'été dernier pendant nos vacances. Ah ouais, et pas qu'avec une fille. Ah merde, cousin, 7. Ah ouais, je comprends qu'elle te fasse ta gueule. Ouh, attention, bouge pas trop, ça tangue, y a du vent. T'inquiète, t'inquiète, je suis solide. Eh ben, en tout cas, ça me fait plaisir d'être avec toi, tu sais. C'est vrai, ouais. Ben, moi aussi. Et merci pour l'invitation sur ton bateau, hein. Il est vraiment génial. Mais oui, c'est vrai. On va faire un tour en mer parce que là, c'était là. Ouais, alors un petit tour vite fait. Alors, on revient dans pas longtemps. J'ai du boulot encore. Bon, t'inquiète pas. Allez, on roule? Ouais, attention, ça va? Oh, ça va? Ça va, t'inquiète pas, ça va, ça va. Mais moi, je vais toujours bien, tu sais. Ouais, je vois ça, je vois ça. Ah. Oula, attention, bouge pas trop, il y a du vent, ça sangle. De partout là. Je vois ça, j'ai juste essayé de me déplacer là-bas. Attends, attends. Tu veux quoi? Non, t'inquiète, t'inquiète, je voulais venir vers toi. Ouais, bah attends, j'avance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trop de vagues. Ouais. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des vagues. Ouais, bon, là, il y en a peut-être un peu moins. Ouh! Ah! Ça va? Ça va? Ça va, t'inquiète. Cool alors, je suis content de ça. Eh oui, voilà. Allez, ah, je vais essayer de venir vers toi. Ah, Sandro! Sandro! Merde, Sandro! T'es où, Sandro? Oh, Sandro, non! Viens là! Il est où? Putain, je le vois plus! Il est où? Sandro! Sandro, hein! Eh ben, merde alors! Merde! Chier, putain! Il est où, bordel? Sandro! Il est où, putain? Il est pas parti. Il est parti. Sandro, hein? Il est pas parti. Il est parti. Salut toi, salut. Bon, ça suffit maintenant, tu me dis ce qu'il y a, d'accord? Mais y a rien, je me réveille. Non, depuis hier ça va pas, donc tu me dis ce qu'il y a ou je me casse. Ça va toi? Ça va. Ah, toujours pas d'élément en vue?
Et non, elle est pas rentrée. Et t'inquiète pas, elle va se calmer. Ouais, bah j'espère, parce que là, ça fait quand même 4 jours. Salut Mathieu. Ah, salut, ça va? Ouais. Alors, tiens, ça c'est ton argent. Merci. Et ça, c'est Salut Nicolas. Je reconnais cette voix, moi. Tu me reconnais peut-être parce que c'est moi. Théo.